Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre serviteur, Abner Gelin. Jeudi en ce dimanche, c'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai une chance pour me passer un petit temps avec vous. Moi, je vous dis merci à toutes les amis, toutes fanatiques, toutes familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon dimanche. Si vous pouvez subscribe, vous voulez encourager, tant pis, faites ça aujourd'hui. Hein? Il y a un petit bouton rouge en bas là, marqué subscribe, hein? Cliquez sous lui. Il y a une petite cloche qui peut apparaître sur côté. Pas oublier, cliquez sur cloche là. Vous tirez le sous personnalisé, mettez-le sous tout. Chaque fois, vous pouvez vous connaître. Remets vidéo, qui est très facile. Avant qu'on aille, si vous appréciez le travail que nous avons fait là, il y a un petit bouton qui semble un pouce, tant pis, cliquez sous lui, une seule fois. Fais un commentaire. Et là, fini. Partagez channel ça avec zami, ou famille, tout le monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez, y a besoin d'un bagay. Eh bien, nous connaissons, nous, dans l'époque, élection pour les États-Unis, une élection très importante. Devoir nous, en tant que citoyens, nous pouvons faire ça qui est capable pour nous porter à nous-mêmes plan, candidat ça yo, caractère yo, qui ça qui yo proposé. Et avec information ça yo, li capable permettre pour même en tant que un monde qui va le voter pour capable prendre une décision qui bon pour vous et famille yo, et pays yo, et même le monde en général. Et bien, dans jour que t'es passé là yo, nous t'ai une chance tendé un plan économique que ancien président Donald Trump lui-même l'était présenté. Et m'pa konnen si m'ta vle rele l yon plan économique parce que c'est une liste de problèmes qu'il t'a présenté. Il t'a parlé de toute qualité de problèmes que les États-Unis a confronté. Mais il n'a pas vraiment bail yon solution que nous capable comprendre. Ou bien qui ça qu'il pourra le faire pour corriger tout problème ça yo qu'il lui-même dit gagner. Et après ça, il était tombé, juré, parlé en pile contre Joe Biden, contre Kamala Harris, contre Crowd. Eh bien, c'était vraiment une conférence de presse remplie avec des ordres. Et vous êtes capable de voir, même dans Fox News, qui c'est télévision propagande Donald Trump, il a critiqué l'ancien président parce qu'il a déclaré, s'il continuait à agir comme ça, il a déjà perdu l'élection. Eh bien, après ça, mesdames et messieurs, c'était tout par Kamala Harris pour te présenter plan économique par là. Et je dis en là, je vais prendre tout, même j'en m'étais passé pour m'étais expliqué ça, Trump lui-même l'a dit. Et bien, je dis en là, je vais prendre un petit temps pour m'en déchiffrer plan économique que Kamala Harris lui-même l'a présenté à peuple là. Qui ça, ça veut dire? Et comment plan ça capable aider ou bien pas aider ou? Est-ce qu'ils ont bon plan que lié? Donc, on va le déchiffrer, li, on va monter tout ça que la donne. Et nous-mêmes, nous va décider pour nous connaître est-ce que c'est un plan vraiment nous capable de tolérer. Mais avant même que nous entrions dans le plan économique que Kamala Harris lui-même a présenté, on va montrer un sondage qui fait aux États-Unis hier et qui côté élection ça lui-même lié. Si l'élection s'est faite jeudi en là, qui est-ce que le peuple américain a voté pour président? Eh bien, mes dernières informations que nous recevons de sondage élection pour 2024, vous pouvez regarder, c'était hier, 17 août 2024, que le sondage a été fait. En nous regardant pour nous, ouais. Eh bien, selon ça qui sortit, nous pouvons regarder, ouais, nationalement, Kamala Harris à 49, Trump à 47, 2 points devant Donald Trump. Ça veut dire, élection ça, il y a une élection vraiment serrée. Côté qu'il n'y a personne vraiment qui gagne un avantage trop. Il est vrai, Kamala Harris, il y a 2 points en avant, mais 2 points. Il n'est pas en pile vraiment pour montrer qu'il y a un bagage extraordinaire. Mais,
dans tout ça qu'on examiné, dans tout ça que nous gardé, nous voyons que Kamala Harris lui-même li devant nationalement. Et si nous allons plus loin tout pour nous garder dans une série d'États qui est très important qui va décider l'élection, nous sommes capables dans Wisconsin, Kamala 49, Trump 47, dans Michigan, Kamala 49, Trump 47, dans Pennsylvania, nous avons bagaille serré, Kamala 49, Trump 48, dans Arizona, Trump 47, Kamala 47, et nous capable dans Georgia Trump 49 Kamala 46 et bagaille continuer comme ça mesdames et messieurs malgré qu'il nous ouais que Kamala Harris gagne ont dit edge devant Trump mais bagaille vraiment yo difficile. Et bien comme moi t'ai déjà parlé de ça que nous parle faire aujourd'hui là nous parle déchiffrer plan économique Kamala Harris là qui ça qu'il veut offrir et comment qu'il va le faire. Et bien Kamala Harris te paraît devant peuple là et li pral parler de plan économique li. Li divise plan en plusieurs parties. Première partie plan, li pral parler des prix bagay parce que nous connaissons ça, c'est une situation qui est très important comment que bagay chen dans pays des États-Unis. Donc li vle commencer avec plan ça, comment qu'il pral attaquer prix bagay nan peyi a. Mais avant que Kamala Harris te commence à entrer dans le plan économique, li te vle fè pèp Américain songe comment économie an teye sous Trump et qui ça que Joe Biden lui-même li accompli. Pour qui ça li important pour Kamala Harris faire comme ça? Parce que il est vrai, Kamala Harris c'est pas président qu'il y est. Li c'est vice-président, mais non li nan administration Joe Biden, non. Donc, en plus, mon cas pose question. Kamala Harris était déjà là, déjà. Pour qui ça n'a pas accompli bagay sa yo? Mais différence, c'est que, yon président lui-même, li pa gen obligation pour recevoir conseil ou bien pour un plan yon vice-président. Vice-président lui-même, li doit suivre plan président. Donc, ça veut dire, Kamala Harris pa gen influence pour di Joe Biden qui ça doit faire avec qui ça n'a pas doit faire. Donc, c'est dans le contexte ça, Kamala Harris va le paraître pour le montrer lui-même. Qui ça qu'il va le faire par différent de ça Biden t'a fait? Et si par hasard, plan que Biden t'a mis sous pied, tape travail, eh bien, avec un peu de fierté, Kamala Harris tout prêt pour l'embrasser. On nous commencer à écouter Kamala Harris qui va le parler de plan économique. Li. Et il va le commencer. Pour le faire peuple à songer, comment bagaille ou teye, et qui ça que Joe Biden ensemble avec lui-même, y a accompli pendant qu'il est dans la Maison Blanche. En nous écouter. So, our country has come a long way since President Biden and I took office. At that time, we sadly remember the millions of Americans that were out of work. We were facing one of the worst economic crises in modern history. And today, by virtually every measure, our economy is the strongest in the world. Déclaration ça son vérité. Et c'est pas seulement Kamala Harris qui dit. Même des journalistes dans pays étrangers dit ça. Nous avons écouté un reportage qui a fait sur Al Jazeera, côté qui a déclaré comment que l'économie des États-Unis lui-même est puissant. Donc, il est vrai, sous Trump, à cause de COVID-19, là, les États-Unis étaient sous genoux. Mais depuis que Joe Biden est monté sous pouvoir, les choses ont changé. Et pendant qu'on a parlé là, l'économie des États-Unis est vraiment li puissant. Et m'a capable d'où ça, comme moi toujours dit, moi son investisseur, moi comprendre ce qui a passé, moi étudier marché. Donc, on connaît bien comment que l'économie ça lui-même li puissant. Maintenant,
Kamel Harris bon côté parle pour expliquer qui ça qui a accompli, combien de jobs qui ont créé, bagay qui ont fait pendant de ce pouvoir. Qui ça Joe Biden ensemble avec lui, il a accompli pendant de ce pouvoir là. À nous écouter. We have created 16 million new jobs. We've made historic investments in infrastructure, in chips manufacturing, in clean energy. And new numbers this week alone show that inflation is down under 3%. And as President of the United States, it will be my intention to build on the foundation of this progress. Avec un peu de fierté, Kamala Harris pas couru loin plan Joe Biden. Parce qu'il déclarait, et c'est en vérité, sous administration Yoa, il a créé environ 16 millions de jobs nouveaux, new jobs. Léo fini. Il fait investissement dans l'infrastructure, dans un programme que Joe Biden a créé qui est Build Back Better, par contre, si nous songeons. Il fait investissement dans chip, ça c'est une série de bagages computer pour technologie, AI. Et il fait investissement dans l'énergie qui propre, qui est clean energy. Et dans ce sens-là, Kamala Harris a déclaré, l'elle va venir président, il pourra le bâtir sous fondation ça qui déjà créé. Ça veut dire fondation que Biden créé pour lui avancer puis devant. Li pas jeté ni crasé parce que selon lui-même, bagaille pas trop mal. Dans ce sens-là, li pourra camper avec même plan que Joe Biden te gen sous pied pour bâtir l'économie par là. Mais, Kamala Harris fait un bagay qui est intelligent. Il dit malgré qu'il connaît bien grand pile pourrait qui fait sous administration Paywa, mais il connaît bien que la caille peuple là, sous table là, dans poche peuple là, il pas senti vraiment progrès ça yo. En écouter. Still, we know that many Americans don't yet feel that progress in their daily lives. Costs are still too high. And on a deeper level, for too many people, no matter how much they work, it feels so hard to just be able to get ahead. As president, I will be laser focused on creating opportunities for the middle class that advance their economic security, stability, and dignity. Together, we will build what I call an opportunity economy. An opportunity economy. An economy where everyone can compete and have a real chance to succeed. Everyone, regardless of who they are or where they start, has an opportunity to build wealth for themselves and their children. And where we remove the barriers to opportunity. So anyone who wants to start a business or advance their career can access the tools and the resources that are necessary to do so. I will focus on cutting needless bureaucracy and unnecessary regulatory red tape and encouraging innovative technologies while protecting consumers. Ça c'est plan que Kamala Harris commence à parler de li konya la. Li réalisé malgré gen progrès qui fait mais prix trop haut. Et il commence à établir des bagages spécifiques qu'il pourrait faire pour capable attaquer bagay qui chaîne dans pays. Et il promet qu'il pourra établir un plan qui relé et une opportunité économie. Côté qu'il pourra encourager monde pour prendre avantage dans ressources qui pourra disponible sous ta le faire un business et
ça lui-même, c'est pour tout le monde, quel que soit le monde. Ou capable de gagner accès à ressources ça yo si vous voulez changer la vie. Li pral aussi éliminer red tape, ça veut dire une série de régulations, une série de lois, une série de bagages qui empêchent moun faire business ou bien qui rendent les difficile pour faire business. Eh bien Kamala Harris déclare que nan plan ça li pral mettre sous pied des mécaniques pour éliminer bagay ça yo. Et après ça, mesdames et messieurs, il va commencer à déchiffrer qui gens qu'il pourra le faire. Qui gens? C'est pas seulement déclarer qu'il pourra le faire, mais comment qu'il pourra le faire, avec qui mécanique qu'il pourra le faire, qui groupe même qu'il pourra le target, pour qu'il soit capable de créer promesse ça qu'il dit qu'il pourra le faire. As president, I will bring together labor with small businesses and major companies to invest in America, to create good jobs, achieve broad-based growth, and ensure that America continues to define the future and lead the world. And key to creating this opportunity economy is building up our middle class. Yeah. It is essential. Mesdames et messieurs, si vous êtes démocrate, vous focus dans la classe moyenne. Parce que c'est dans la classe moyenne dans le pays à lui-même lié. Les républicains sont bon pour business en pile, vous bon pour monde qui riche. Et sous riche, républicain, c'est parti politique pour la donne là. Sous riche, c'est l'argent seulement qui intéresse eux. Mais les démocrates, ils focus pour capable bâtir classe moyenne là. Parce que c'est dans classe moyenne là, richesse, progrès, les États-Unis y est. Et Kamala Harris pour l'avancer pour l'expliquer. Comment qu'il peut le bâtir classe moyenne nan, nan plan sa qu'il présente jodi an la, nan plan sa qu'il commence à présenter, alors comme on dit déjà c'est pas tout, c'est un segment là-dedans qu'il présente qui focus sur prix bagay. An écoute. The middle class is one of America's greatest strengths. And to protect it then, we must defend basic principles, such as your salary should be enough to provide you and your family with a good quality of life. Such as, no child should have to grow up in poverty. Such as, after years of hard work, you should be able to retire with dignity. And you should be able to join a union if you choose. Building up the middle class will be a defining goal of my presidency. Because I strongly believe when the middle class is strong, America is strong. Donc, mesdames et messieurs, pas de doute, qui côté Kamala Harris voulait commencer travail pour changer pays des États-Unis. Il focus dans la classe moyenne. Il parlait de quatre bagailles qui sont très importants pour que la classe moyenne soit capable de lever côté l'IA. Premièrement, il parlait de salaire. Avec le travail, le job qu'on a fait, li doit suffire pour capable prendre soin de tête ou avec. Si on travaille aux États-Unis, job sa ko gagne yan li doit match qualité vie ko to capable vivre avec. Deuxièmement, ti moun pa de vivre dans pauvreté, ça pa gen sens du tout. Gouvernement doit bay yon façon pour que parents capable grandir ti moun yo sans que yo pa nan pauvreté. Troisièmement, lorsque grand moun ou pa prendre retraite ou fin travail toute vie, pays ça doit créer des programmes
et mettez sous pied des mécaniques pour que vous capable prendre votre retraite avec dignité. Ça veut dire l'argent côté contribué dans taxes, dans social sécurité, dans pension ou le capable joindre comme ça, il suffit pour prendre soin pendant que grand monde Medicare, Medicaid, service de santé qui nous connaît dans moment ça qui est très important. Pays ça doué bayon façon pour que seigneur yo, grand moun yo, ça yo qui fin sacrifier vie pour pays ça capable joindre une façon pour yo prendre retraite yo dans dignité. Et quatrièmement, li parle de union. Union côté que yon peuple kap travay doué entre dans n'importe groupe qu'il veut. Groupe kap défend droit yo, tout groupe kap défend salaire yo. On sait de bagay que les républicains opposés, mais la démocrate Kamala Harris déclaré chaque citoyen doit libre pour choisir si vous voulez participer dans l'union ou bien non. Qu'on y a là, mesdames et messieurs, Kamala Harris va commencer dans plan, c'est pour descendre prix de gens qui a vivre. L'argent mangé, l'argent caille, toute qualité bagaille que yon famille besoin pour vivre. Kamala Harris va déchiffrer comment qu'elle va commencer plan là. So in the weeks to come, I will address in greater detail my plans to build an opportunity economy. And today, I will focus on one element that's on the minds of many Americans as they pay their bills at the kitchen table or walk the aisles of a grocery store. And that is lowering the cost of living. So every day across our nation, families talk about their plans for the future, their ambitions, their aspirations for themselves, for their children. And they talk about how they're going to be able to actually achieve them financially. Because look, the bills add up. Food, rent, gas, back to school clothes, prescription medication. After all that, for many families, there's not much left at the end of the month. I grew up in a middle-class household. For most of my childhood, we were renters. My mother saved for well over a decade to buy a home. Mesdames et messieurs, différence entre Kamala Harris et Donald Trump, c'est expérience qui vous fait l'envie. Donald Trump levé dans une famille qui est riche, millionnaire. Bagay sa yo que Kamel a parlé là, Trump pas comprendre yo. Même l'elta avle, li pas capable comprendre yo. C'est une autre expérience. C'est pas sans raison que nous Trump agit en façon que li yo doué li un bagay que tout le monde doit couper devant parce que c'est bagay sa yo qui li habitué avec yo. Mais au monde tant que Kamala Harris qui levé dans une classe moyenne avec un maman qui travaille dur qui a loué caille, ça c'est une autre expérience. Donc Kamala Harris a plus qualification pour comprendre vie malheureuse, pour comprendre monde qui a problème non, pour capable sympathiser avec yo, et ça lui fait une grande différence. I was a teenager when that day finally came. And I can remember so well how excited she was. I kind of understood what it meant, but we called her Mommy. Mommy was so excited, it just made us excited that she was so excited. Later in college, I worked at McDonald's to earn spending money. Well, some of the people I worked with were raising families on that paycheck. They worked second or even third jobs to pay rent and buy food. That only gets harder when the cost of living goes up. When I am elected president, I will make it a top priority to bring down costs and increase economic security for all Americans. As president, I will take on the high costs that matter most to most Americans, like the cost of food.
We all know that prices went up during the pandemic when the supply chains shut down and failed. But our supply chains have now improved, and prices are still too high. Many of the big food companies are seeing their highest profits in 2 decades. And while many grocery chains pass along these savings, others still aren't. Look, I know most businesses are creating jobs, contributing to our economy, and playing by the rules. But some are not. And that's just not right. And we need to take action when that is the case. As Attorney General in California, I went after companies that illegally increased prices, including wholesalers that inflated the price of prescription medication, and companies that conspired with competitors to keep prices of electronics high. I won more than $1 billion for consumers. So believe me, as president, I will go after the bad actors. And I will work to pass the first ever federal ban on price gouging on food. My plan will include new penalties for opportunistic companies that exploit crises and break the rules. And we will support smaller food businesses that are trying to play by the rules and get ahead. We will help the food industry become more competitive because I believe competition is the lifeblood of our economy. More competition means lower prices for you and your families. Now compare what Donald Trump plans to do. Mesdames et messieurs, il y a un pile monde qui pensait que démocrate yo anti-business. Moi-même pas wel comme ça. Démocrate yo vle que tout business yo marche selon l'ordre de discipline et avec transparence. Comme on capable d'entendre qui ça que le dit, prix bagay yo cher tandis que compagnie yo fait en pile profit. Mais yo pap séparé profit a avec consommateur yo. Yo toujours quitté bagay yo cher. En pile là yo aussi profiter des as pour yo augmenter prix bagay. Et Kamel Harris promet pour lui mettre des lois pour capable interdit genre de bagay ça au fait. Yo vle supporter ti business piti kap vann manger. Créer un pilot business pour capable faire compétition. Parce que compétition, li rend consommateur ou même capable acheter ou un bon service et ou un bon prix. Donc, c'est ça que Kamel Harris lui proposé en ce qui a trait avec travail pour capable descendre prix manger. Après ça, mesdames et messieurs, il va l'expliquer au qui plan Trump lui-même li gagne pour nous. He wants to impose what is, in effect, a national sales tax on everyday products and basic necessities that we import from other countries. That will devastate Americans. It will mean higher prices on just about every one of your daily needs. A Trump tax on gas, a Trump tax on food, a Trump tax on clothing, a Trump tax on over-the-counter medication. And you know, economists have done the math. Donald Trump's plan would cost a typical family $3,900 a year. At this moment, when everyday prices are too high, he will make them even higher. As president,
I'll attack and take on the issue of the cost of health care. As Attorney General, I took on insurance companies and Big Pharma and got them to lower their prices. And together with President Biden, we've gone even further. We capped the price of insulin at $35 a month, and the total cost... and the total cost of prescription drugs at $2,000 a year for seniors. We let Medicare negotiate lower drug prices for seniors. And just yesterday, we announced that we are lowering the price by up to 80% for 10 more life-saving drugs. And I pledge to continue this progress. I'll lower the cost of insulin and prescription drugs for everyone with your support, not only our seniors. And demand transparency from the middlemen who operate between Big Pharma and the insurance companies who use opaque practices to raise your drug prices and profit off your need for medicine. Mesdames et messieurs, nous faisons parler de tarifs. Tarif, c'est une bagaille que Trump remet implémenter. Ne songez, lorsqu'il est sous pouvoir, il te met des tarifs sur la Chine avec un peu l'autre pays. Tarif, c'est une taxe qui est mettée sur produits qui sont importés dans un pays. La vérité, le plus souvent, pratique ça, lui-même, l'important. L'important pour capable empêcher un pays étranger craser produits la caillou. Un exemple très simple, dirige dans le pays d'Haïti. Gouvernement haïtien lui-même, il laisse l'autre pays importer produits la caille. Et on peut dire qu'il a fait. Et en cours ça lui-même, il crase le marché. Celle qu'il a dû faire, c'est augmenter les tarifs dans sa capantria pour qu'il soit capable de décourager le marché. Mais aux États-Unis, ils sont l'autre bagaille. Trump mettait taxes et tarifs dans des produits qui n'ont pas fait. Parce que l'autre n'a pas fait produit, il n'a pas gagné la caille qui a produit. Ou elle met des tarifs sous lit, c'est taxe ou mettez sous dos peuple parce que peuple a pas lâché le quand même. Et marchand qui a fait commerce, lorsqu'il paye plus cher, pour ce bagage l'entrée, il va le prix ça qu'il paye, il va l'ajouter sous prix bagage qu'il va le vendre pour le faire l'argent, pour faire un profit. Donc, lorsqu'on met des tarifs sur des produits étrangers, que ou même on pas faire la caillou, c'est taxe ou mettez sous dos peuple là. Et c'est ça que Kamala Harris a expliqué là. Côté que vous avez une taxe dans toute bagaille, que vous avez Trump taxe, parce que lorsque vous mettez des tarifs sur produits, ça y est, il va gagner la caille. Peuple a pour l'acheter quand même, ça veut dire, peuple a pour le payer plus cher. Après ça, mesdames et messieurs, Kamala Harris pour parler de medical bill. Ça veut dire que l'hôpital l'a chargé ou. Et yon nan bagay ki le plus souvent, on moun ki pa gen assurance, bill sa ou bien l'agent sa ki ou charge la, yon mette l sou crédit ou vin ruiné. En outande ki plan ke Kamala Harris genyen pou bagay sa. 2 months ago, I announced that medical debt will no longer be used against your credit score. And I will work as president with states like here in North Carolina, Roy Cooper, thank you again, to cancel medical debt for more and more, millions more Americans. As for Donald Trump, well, he wants to repeal the Affordable Care Act, which 45 million Americans rely on, 45 million Americans rely on it for health care. That would take us back to a time when insurance companies could deny people with pre-existing conditions. We all remember what that was. And we're not going back. We're not going back.
And remember, and this is why we're not going back, because we do remember, he tried to cut Medicare every year he was president, threatening a program that tens of millions of seniors count on. And according to his Project 2025 agenda, he intends to undo our work to bring down prescription drugs, the cost of prescription drugs, and insulin costs. Well, we've come too far to let that happen. Mesdames et messieurs, nous faut y parler tout petit sous ça que les credit score. Qui ça que lié même? Pour monde qui pas connaît. C'est un numéro que vous appliquez à vous-même pour dette que vous devez, est-ce que vous payez dette ou bien? Est-ce que vous manage l'argent ou bien? Son série de bagages vraiment qui capable aider ou acheter un caille, acheter une machine avec un intérêt qui très bas. Lorsque crédit est dommagé, il vient affecter économique opportunité ou parce que c'est pas facile ou qu'à joindre une série de bagages. Émission ça yo, le plus souvent comme moi dit, c'est pas pour tout le monde qui yoyé. C'est pour des Haïtiens qui habitent aux États-Unis ou bien dans une série de pays modernisés qui a bâti une richesse dans le pays ça yo, qui gen petit, qui déjà planté racine dans le pays ya, et qui connaît bien yo besoin. Yon série de bagay marche très bien dans le pays ça pour la vie yo. Et c'est pour moun sa yo ke émission sa yo. Donc, ou de comprendre qui ça sa vle di lorsque yo crédit ou li affecté. Donc, l'homme malade ou à l'hôpital, le plus souvent, c'est pas un bagay qu'on fait exprès ou des malades ou à l'hôpital. Ou pas gen assurance, ou de prendre soin. Yo bon soin, et le ou fini yo prend bill sa, yo mette le sous dos et sous crédit ou li dommage crédit ou. Ça vient nous dans une situation vraiment qui mal. C'est comme ça, c'est toujours. Mais les démocrates du travail, et qu'on y a là, Kamala Harris promet que vous pouvez éliminer la pratique que vous prenez dette l'hôpital pour vous mettre sous crédit. Vous pouvez illégal pour vous mettre dette l'hôpital sous crédit. Deuxièmement, gon seri de pays en Europe qui déjà gen sa ki rele universal healthcare. Ça veut dire un service de santé pour tout le monde. Pays sa yo, pays Europe sa yo, yo kwè que service de santé c'est un droit qui est lié. Li pa une option, c'est une obligation. Ça c'est un projet que les démocrates ont travaillé sur li pour être capable accomplir pour que capable gagner service de santé pour tout le monde. Mais mesdames et messieurs, Trump, qui ça qu'il voulait faire? Il voulait craser n'importe programme qui offrit un service de santé publique. Parce que, comme nous connaissons, républicain, it's all about making money. Investment. Yo gen pile l'argent invest dans la pharmacie, dans l'hôpital, dans le service de santé. Ça veut dire, yo pas ta remen pour que service de santé vienne public. Mais pour que privé soit capable là, pour ramasser l'argent dans le même monde. Qu'on y a là, mesdames et messieurs, Kamala Harris va commencer à parler de Kai. Comment elle pourrait travailler pour descendre le prix Kai? So we're not going back on that, and let's talk about the cost of housing. So now, the housing market can be complicated, but look, I'm not new to this issue. As state attorney general, I drafted and helped pass a homeowner bill of rights, one of the first in America. And during the foreclosure crisis, I took on the big banks for predatory lending with many of my colleagues, including Roy Cooper, and won $20 billion for California families when I was attorney general. So I know how to fight for people who are being exploited in the housing market. And I know what home ownership means. It's more than a financial transaction. It's so much more than that. It's more than a house. Home ownership and what that means, it's a symbol of the pride that comes with hard work. It's financial security. It represents
what you will be able to do for your children. And sadly, right now, it is out of reach for far too many American families. There's a serious housing shortage. In many places, it's too difficult to build, and it's driving prices up. Kamala Harris va expliquer comment il va résoudre problème Kayla. À l'écouter. As president, I will work in partnership with industry to build the housing we need both to rent and to buy. We will take down barriers and cut red tape, including at the state and local levels. And by the end of my first term, we will end America's housing shortage by building 3 million new homes and rentals that are affordable for the middle class. And we will do that together. We will do that together. And we will make sure those homes actually go to working and middle-class Americans, not just investors. Because, you know, some corporate landlords, some of them, buy dozens, if not hundreds, of houses and apartments. Then they turn them around and rent them out at extremely high prices. And it can make it impossible, then, for regular people to be able to buy or even rent a home, often using algorithms in price-fixing software to do it. It's anti-competitive, and it drives up costs. I will fight for a law that cracks down on these practices. We also know that as the price of housing has gone up, the size of down payments have gone up as well. Even if aspiring homeowners save for years, it often still is not enough. So in addition, while we work on the housing shortage, my administration will provide first-time home buyers with $25,000 to help with the down payment on a new home. We can do this. We can do this. All to help more Americans experience the pride of home ownership and the financial security that it represents and brings. So that's my plan. But here's what Donald Trump would do. If his Project 2025 agenda is put into effect, it will add around $1,200 a year to the typical American mortgage. He's got it backward. We should be doing everything we can to make it more affordable to buy a home, not less. On va essayer de dépaquer ce que Kamala a proposé là dans le plan pour Kay. D'abord, il a proposé pour bâtir 3 millions de Kay pour louer et pour vendre dans le premier terme dans l'office là. Ça veut dire que dans le temps qu'il a gagné, 4 ans qu'il va le passer. Et aussi, il a proposé 25 000 dollars pour tout le monde qui peut acheter Kay pour la première fois. Les promettent que Kay sa yon ki ou pral bati ya, yon pral jwenn classe moyenne nan, consommateur, et yon pral limiter investisseur yon, parce que nous connaît, moun sa yon utilise Kay sa yon ou fè profit. Donald Trump, les yon investisseur nan Kay. Donc c'est normal, prix Kay kap augmenté, li pi bon pou yon, c'est comme ça pour nous comprendre bagay sa yon. Donc, nous kapab wè que Kamala Harris, en ce qui a trait avec Kay,
offrir des plans spécifiques qui jan que yo poil attaquer problème ça pour descendre prix kay. Parce que kay la lui-même comme li expliqué, c'est lui-même qui source richesse yon famille aux États-Unis. Finalement, li poil parler comment il t'aimer pour que peuple américain qui met dans poche li plus l'argent qu'il travaille là et qui ça qu'il poil faire pour aider ou l'oral travail ou recevoir un petit chèque pour que plus comme ça carité dans poche ou au lieu que taxe lui-même li manger. En écouter. Finally, there's one more way I will help families deal with rising costs. And that's by letting you keep more of your hard-earned money. Under my plan, more than 100 million Americans will get a tax cut, and we will do this by restoring two tax cuts designed to help middle-class and working Americans. The Earned Income Tax Credit and the Child Tax Credit. Through which millions of Americans with children got to keep more of their hard-earned income. We know this works and has a direct impact on so many issues, including child poverty. We know it works. So as president, I'll not only restore that tax cut, but expand it. We will provide $6,000 in tax relief to families during the first year of a child's life. Now think what that means. Think what that means. That is a vital, vital year of critical development of a child. And the cost can really add up, especially for young parents who need to buy diapers and clothes and a car seat and so much else. And we will do this while reducing the deficit. Compare my plan with what Donald Trump intends to do. He plans to give billionaires massive tax cuts year after year. And he plans to cut corporate taxes by over $1 trillion, even as they pull in record profits. And that's on top of the $2 trillion tax cut he already signed into law when he was president. Which, by the way, overwhelmingly went to the wealthiest Americans and corporations and exploded the national deficit. You know, I think that if you want to know who someone cares about, look who they fight for. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin du plan économique Kamala Harris là. Si nous avons regardé un dernier point que Kamala Harris parlait là, mais ça qu'il voulait dire. Actuellement, il y a un $3,600 taxe crédit que Joe Biden gagne sous pied. Kamala Harris a fait un bill, il a fait spendly, et il peut l'ajouter, il y a un lot $6,000 taxe crédit pour première année dans la vie timoun nan. Après ça, yo va aussi expand un income tax crédit. Et non seulement ça tout, comme nous t'ai parlé, yo va le travail puis aider moun qui pral acheter caille pour la première fois. Donc, c'est un plan vraiment qui ambitieux. Yon plan qui belle, c'est le moi-même. Et selon un pile économiste qui garde, par exemple, nous gagnons Mark Cuban, qui est un billionnaire, qui vraiment remet un plan ça, que Kamala Harris propose. Donc, je souhaite que nous gagnions une petite idée de qui ça que Kamala Harris lui propose dans le plan économique client. Ou capable de temps pour comparer lui, pour un deux plans ça, entre plan Trump, avec plan Kamala Harris là, qui est nan yo kap nan avantage ou, et avec bagay sa yo, ou kapab aller en novembre pour aller voter un président. Non pas M. Abner Jelin, pour Haitian Public Media, passons très bonne journée, bon débénir, bye bye.